Alors pourquoi faut-il compter sur le calcul haute performance ? 70% des données collectées à travers le monde seraient encore inexploitées. Il faut savoir les nettoyer, les trier et les stocker avant même de pouvoir les utiliser. La France rattrape son retard. Notre supercalculateur le plus puissant nous classe au 10e rang mondial en ce moment, sachant que le Japon, les États-Unis et la Chine dominent le classement. L'Europe vient de mobiliser 8 milliards d'euros pour bâtir 8 nouveaux supercalculateurs et elle a tous les atouts en main aujourd'hui pour devenir leader de cette nouvelle technologie. L'enjeu est colossal en termes de compétitivité, mais la puissance des microprocesseurs ne pourra pas éternellement augmenter, principalement en raison de leur consommation d'énergie. Si Internet était un pays, il serait déjà dans le top 5 des plus gros consommateurs d'énergie. Dans le futur, augmentation de la puissance du numérique et sobriété énergétique devront aller de pair. Mais nos supercalculateurs de leur côté sont déjà en train de lancer des modélisations pour trouver des solutions.